Pum 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 pum. Et oui, les amis, vous savez ce qu'il est de bonne aloi de ressortir fin octobre chaque année? Oui, la fête des dentistes. Et oui, vous avez un autre nom pour l'appeler sur Terre, vous appelez ça Halloween, mais il faut être bien conscient que c'est un acte promotionnel hein, qui permet de contaminer chaque enfant comme on le fait avec le Covid aujourd'hui, mais grâce au carry. Alors profitez-en. Je suis médisant, oui, je suis totalement médisant, puisque je vais vous présenter comme chaque année, il y a un jeu un peu dédié à Halloween qui sort, et du coup je vais vous présenter qui? Je vais vous présenter quoi? Je vais vous présenter Jack. Non, pas celui de Tim Burton, un autre Pumpkin Jack. Roi des citrouilles probablement lui aussi, mais qui est complètement différencié de la licence. Et qui a son propre jeu vidéo qui arrive. Once upon a time, in the great Arkansil Kingdom, the world lived in peace and coexistence. Between the humans, the animals, the birds, even the cute little bunny rabbits. It was an age of prosperity, without anything to fear of war, famine, catastrophe. It was so very boring. So boring, in fact, that even the devil himself was bored brainless. The devil dreamed of bloodshed, pestilence, suffering on a cosmic scale. So he devised a plan to make things in Arkansil a little more entertaining. The devil unleashed the curse of the Eternal Night, a powerful spell that conjured mindless, soulless, heartless monsters across the world. The monsters lay waste to every city, every home, every leaky outhouse and backwater town in the kingdom. It was beautiful, but for some reason, the humans quite enjoyed their safe, boring little lives. They couldn't handle a few pesky monsters coming in and tearing them all limb from limb. So, they called upon their champion, the mighty wizard. A sorcerer with the skill and intellect to break the curse and usurp the devil's power. The wizard departed his luxurious tower and his studies to find the power he needed to break the curse of the Eternal Night. Very well, the devil said. Two can play that game. And who knows, this might be the fun I've been looking for. So in response to the wizard's quest, he called upon a champion of his own. Stingy Jack, history's greatest trickster and con artist, banished to wander the world as a wayward spirit. The devil crammed Jack's soul into the skin of a pumpkin and made him a deal. The devil would forgive Jack's past misdeeds and grant him passage to the afterlife. And in return, he gave Jack one simple mission. Find the wizard and destroy him. Ah, ça plaisante pas hein, pour démarrer. Bon, du classique sur le scénario, vu le thème, on ne pouvait pas faire autrement. Maintenant, reste à voir si ça va être réalisé avec brio. Ça, c'est moi, Jack, l'homme citrouille. Et vous vous demandez certainement pas pourquoi je suis venu là. Oui, Halloween, tout ça, hein, les bonbons, tout ça. Mais... Enfin, nous voilà devant un jeu plateforme, j'imagine. Qui, s'il n'est pas foncièrement original vu le thème abordé, va peut-être essayer de nous faire découvrir un gameplay plaisant. Alors j'essaie mes touches, hein. Moi je suis super curieux. Alors roulade, ça peut être intéressant. On va faire ça. Je jump. Je peux le même faire plusieurs fois d'affilée, ce qui est absolument incroyable en 2020 les amis. Ooh, I'm so scared.
D'accord, donc c'est un envoyé du diable qui est là pour me surveiller et noter tous mes faits et gestes. Ça commence bien. Alors, j'imagine que c'est très linéaire et qu'on peut pas trop se barrer où on veut. Quoi? Non. Je vais la refaire. J'imagine que c'est très linéaire et qu'on peut pas se barrer où on veut. Je vais la refaire. J'aime beaucoup prendre des jeux à contre-pied parce que il y a des évidences des fois. Vous avez vraiment envie de vous marrer. Croix toi-même. Croix, pont t'es mort. T'as jamais vu The Crow toi en fait. Inconscient. Ouais. Boire toujours. Je me sens complètement pareil, puisque si ça n'avait pas été un truc à boire, qu'est-ce que vous croyez que ce feu aurait été? Ah zut, je l'ai dit. Et je peux faire des doubles jumps. Oui, parce que je vous rappelle que ce jeu est probablement très linéaire. Et si je vais dans l'eau, je meurs. Je le ferai pas une troisième fois quand même. Pas très coopératif sur mes double jumps. Mais ça va, je vais m'en sortir. J'ai vu pire. J'ai vu mieux aussi. Ah. Vous n'avez rien vu? Vous ne voyez rien. Alors c'est bizarre parce que j'ai essayé, il me semble avoir essayé ce jeu dans une haute préversion où le pad était géré. Oh, regardez-moi ça, de plateforme hardcore. Je suis désolé, j'espère que vous n'avez pas du trop le retour du clavier du coup dans l'audio. Boire. C'est important de boire le soir d'Halloween. Parce que vous ne savez pas sur quels enfants vous allez tomber. Et il y a moyen d'être très colère. Donc pour pas être colère, mieux vaut être bourré. Suivez les bons conseils de Monsieur K. Juste m'indiquer les touches pour attaquer, ce serait super gentil. Un ennemi intelligent, je demande à voir. C'est ainsi que ma roulade va devenir vitale. Je suis sûr qu'il y a un bonus. Cassez-vous les piafs. Monsieur K a toujours raison, hein, de toute façon. Essayez pas de comprendre. J'ai le groove. Bon, et puis peut-être un passif de JV, de jeux vidéo assez couillu. Hein? Alors, sur la perspective, on n'arrive pas super bien, vu comme les ombres sont foutues, à se placer. Tranquille. Je vous fais pas tous les bonus, hein. J'ai pas envie de spoiler.
Et il va falloir que je m'occupe donc d'un épouvantail maudit qui fait peur à ces pauvres corbeaux qui pourtant sont démoniaques. Alors du coup j'ai gagné un compagnon corbeau qui va certainement me servir. Et oui, puisque je peux l'envoyer comme un tire-distant du coup. Santé. Où est donc cet époupou? Où est donc ce vent? Salut. C'est peut-être sa femme, sa gosse, j'en sais rien. Et truc. Bon, d'accord. Pas très collaboratif. Et voilà la fight qui commence, regardez. Alors, j'ai même pas besoin de viser, hein, salope, tout seul. Et vous avez vu cette action frénétique? Et comme une grosse envie de se prendre une pelle, allez, soyons faits. Splushed. Ça va être bien, ça. Alors, si je fais trois attaques d'affilée, j'ai droit à un combo. Je répète pour les sourds et malentendants. Donc, 4. Vous avez vu ça? Et les tonneaux, eux... Ah, si, j'ai cru qu'ils se pétaient pas. Je voulais pas te faire ça, mec. Je veux juste inspecter les caisses, puisque comme dans tous ces jeux-là, il serait trop pas surprenant que il n'y ait pas des bonus planqués dans les caisses. Vous n'allez pas me dire le contraire. Bon, il n'y en a pas, mais... Normalement, j'ai raison. Mais croyez-moi, je vous le dis. C'est moi qui ai programmé ce jeu. Non, c'est pas une auto-promo. Ça souffle pas? Non. Bon, tant pis. Allons pour fondre du... Il peut le faire en sautant, ça me rassure. Allons pour fondre de l'épouvantail. A new checkpoint. Where? Oh, drink. Drink! Fake! Girls! Horse! Les connaisseurs reconnaîtront du premier coup. En plus, je le fais très très bien. Phaser Jack a été pour moi un exemple de vie. Et c'est grâce à lui que je me suis inséré en société. Attention, ça devient hardcore la plateforme. Y a pas de bonus là-bas, faut pas rêver. On est dans une pré-version aussi, hein. Le jeu est pas encore sorti à l'heure où je vous le mets en condition. Comment je saute là-haut? Ça grippe avec ses petits bras? Je me doutais qu'un crétin pareil ne serait pas capable de s'agripper. La corde a attrapé tout simplement. Regardez ce truc qui pendouille. C'est pas juste un spaghetti. Il y a une corde, il y a un mec, il veut sauter. Il va attraper la corde. What else? Soupir de la mort, on y va. Là, il est capable de s'agripper, l'autre, non. Nicht, niet, ni niente. En fait, il faut faire les deux jumps très très vite. Capiche? Je vais pas tomber parce que j'ai pas envie, ça m'a déjà assez gonflé, mais... Et il faut savoir les temporiser parfois. Croix. Oh, faut tirer plusieurs fois, mon dieu. Autant vous dire que je suis en panique. Alors, pourquoi j'ai aussi peu d'enthousiasme pour ce type de jeu? Bah, tout simplement parce que... Y a rien de neuf. Y a vraiment rien de neuf, quoi. Et du coup, je me demande ce qui... Je me demande ce qui permettrait de lui procurer une aura un petit peu plus... sympathique. Pour susciter l'envie des joueurs. Parce que je suis le joueur lambda, et franchement... On nous les a faites, celles-là. Donc, c'est pas parce que j'ai bouffé pas mal de jeux. J'ai même pas lu ce qui était écrit sur le côté du coup. Cette brouette m'énerve parfaitement. Je me suis fait engueuler. Mort au rondin.
Oui, c'est le souci là. Si ce jeu persiste à ne pas me proposer des trucs marrants, et une mécanique qui soit autre chose que bah, un bonhomme qui tente sur lui-même, qui pète des boîtes, ça vous rappelle pas un coyote? Non, aucunement. Ah, vous n'avez pas joué à Crash Bandicoot. Ouais. Mais voilà, le truc est dit. Le cel shading, on l'a déjà vu ailleurs. Halloween, on sait ce que c'est. Donc, les scènes d'action pour l'instant sont pas très glamour. On pianote sur le clavier tranquille, on se prend pas la tête. Alors, le jeu est certainement casu, ça j'en conviens, mais. Où est l'épice? Où est le. Le je ne sais quoi. Qui donne envie normalement. Et qui vous excite et qui vous dit, ah, j'aimerais bien voir ce qu'il y a après, quoi. Là, ça doit s'entendre, hein, au ton. J'ai. Moyen. Moyen envie, quoi. Si après, je m'en fous. C'est un peu gratuit, mais voilà. Si ça peut amuser du monde, tant mieux. Fais pas un sale gag, bonhomme. Ça fera du bien. Allez, un petit checkpoint. Ou une baston. Au choix. Where is my... J'ai soif. Mon truc à boisson. Mon bar. Ah, c'est la coronavirus, c'est tout fermé encore. Bordel de... Pas de chance, quoi. Crois. Pan, t'es mort. Ouais. Attention à la botte de foin, elle est méchante cette botte de foin. Il faut le savoir. Ah oui, il faut attendre qu'il revienne lui. Bon. 4 coups dedans pour le sécher le gars. L'autre il est planqué discret mais il croit que je le vois pas. Mec, tu peux pas tirer douté. Attends, je te laisse le temps. Recharge, vas-y. Wish Lorraine. Hop là. Oui, les Wish sont toujours des Lorraine. C'est bien connu. Ça se casse? Non, mais j'ai de l'espoir. Oh là là, attention! Alors, il y a peut-être une autre possibilité, c'est que le public de ce jeu, c'est entre 3 et 7 ans. Oui, parce que... Ah bah non, il y a de la picole. Non, ça peut pas être possible, ça. Ah, le jeu va basculer en Mortal Shell. Si vous n'avez pas vu la chronique dans TBG, je vous recommande de chercher d'aller la voir. C'est assez marrant, c'est un espèce de Dark Souls en un peu plus simple, mais avec ses petites particularités. On fait reluire qu'il y a ma tête dedans, ce serait trop bien. D'accord, je peux me servir de ma tête comme d'un drone pour pouvoir aller déverrouiller des endroits qui ne me sont pas accessibles. Là, le jeu commence à être bien. Ah, je peux même attaquer, ça c'est bien. Wouh! Ah, je peux pousser les objets, mais ça passe comme ça, regardez. Hop. Activé. Non. D'accord. Et il est passé où l'autre? Il n'y avait pas un deuxième inter. Ai-je rêvé? Probably. Manque d'attention, c'est mal. Vous me voyez? Push, il va falloir mettre ça là-dessus, je pense. Hop. C'est dessus, hein? Allez. Bien entendu. Un drôle de bruit, cette citrouille, quand même.
Alors, attends, on va refaire parce que ça fait apparaître la grosse caisse, c'est ça? Alright, donc il suffit de mettre cette caisse là, oui c'est très scientifique, sur ce truc. De mettre une chicave là-dedans. Et du coup je peux prendre cette caisse et la pousser à coup de chicave. Seriously man, tu me fais pas ça. J'enregistre là. ton doumidate. Et là, je prouve. Le jeu commence à devenir bien. J'ai été super méchant avec lui au début, c'est clair. Mais il n'avait pas de côté excitant. Maintenant, dire que oui, on peut dissocier sa tête de son corps pour s'en servir dans des passages comme ça, ça c'est plutôt chouette. Si on buvait un coup pour fêter ça. Je vais finir dans un état. J'aime casser les caisses. Celles-là, elles veulent pas. Tel bordel. Mon piaf est con aujourd'hui. Ah, mon piaf est supra con quoi. Alors je pense que le jeu serait quand même vachement mieux à jouer avec. Saleté de rat. Jouer avec une manette hein, tout simplement. Ah oui, cette chose qui est planquée là, ok non, pas planquée, qui est juste posée. J'aime pas les escabeaux. Mais oui, le jeu est très très brouillon parce que je suis en mode clavier souris, vu que le pad est pas géré. Mais au pad, ça va être vachement plus agréable. Et surtout les scènes de combat, où moi je bouge beaucoup clavier souris, qui elles, bah, bougeront d'une manière un peu minime quand même. Une fois tout ça joué au pad. Où sont les méchants? Bonjour, je viens chercher les méchants. Il y a quoi là-bas derrière? Je prends tout. Pire que les rappeux tout. Si Monsieur Ken n'a plus trop l'habitude de jouer au pad, oui c'est exactement ça. Je suis devenu un lazy gamer. Et du coup, j'ai pris vraiment cette habitude de jouer au pad puisqu'il y a beaucoup de previews où on a mapping de clavier horrible ou inexistant carrément. Et du coup vous êtes obligé de passer par le pad hein, pour que ce soit à peu près jouable. CF, dernière vidéo publiée pour je sais pas quelle occasion, mais elle aura été publiée avant celle-là et je vous la recommande chaudement. C'est celle qui contient l'intitulé Le meilleur jeu de 2021, probablement. Et vous ne vous en remettrez jamais, je pense. Alors, les parties de combat sont pas super intéressantes. Quoi. Voilà, on peut se planquer derrière des trucs du décor, les ennemis sont d'une connerie affligeante, quoi. En fait, il y a un nid là-bas, et tant que j'aurais pas défoncé le nid... Eh ben, le nid... Que le nid.
C'est costaud ce truc, dit dedans. Alors désolé pour les bruits clavier encore. J'ai plus trop l'habitude de préparer les émissions clavier souris. De la verroterie qui ne casse pas. Tu te moques de moi, bonhomme? Alors je me sers jamais de ces décors où on peut casser des trucs qui se mettent à flamber pour attirer les bestioles dedans, mais je pense que utiliser judicieusement, ça pourrait être intéressant. Comme ces récipients en verre que j'ai frappés qui résistent et qui flottent désormais. Préversion, préversion les amis, soyons gentils. J'essaie d'équilibrer quand même, de donner autant de yin que de yang. Espèce de tête de citrouille. En fait, il y a une gestion de la temporisation du saut qui est assez particulière. Il n'y a pas besoin. Mais ça m'a fait plaisir. Pourquoi je veux aller voir là? Parce que c'est l'endroit où il y aurait un bonus normalement, non? Baf. Ne serais-je pas revenu où je suis arrivé en fait, tout simplement? Oui, regardez, il y a les récipients flottants. Oh bordel de mythe. Oh purée, c'est... Il n'y a pas un raccourci? Je tente. Hein? Ça se tentait. Ça, c'est pas la sortie là. Ça m'a l'air bien loin, mais alors vraiment bien loin. Je certitude zéro. Vous savez ce qui va se passer? Oui, j'ai refait tout mon chemin à l'envers pour sortir, mais par où je suis entré, alors que le jeu n'attendait qu'une chose, c'est que je continue à avancer selon ce que lui avait prévu. Et là on est quand même dans un mode... Alors, je regarde le chrono. On va peut-être s'arrêter là. On va s'arrêter et on va s'arrêter sur un avis mitigé du coup, parce que ce jeu-là, j'arrive pas à savoir s'il peut être vraiment intéressant sur la durée, et s'il sera capable de se renouveler autant qu'il l'a fait depuis on va dire, 10 dernières minutes, où effectivement on a eu 2-3 petits trucs nouveaux qui changeaient un petit peu de la routine, parce que avancer en mode hack and slash, ça a beau être en 3D, ça a beau être thème Halloween, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous laisse vous faire votre idée sur cette preview, sachant que, oh petit vénard, vous pourrez accéder normalement à sa démo sur les sites de dématérialisés, bien connus. Playlist, bouton d'abonnement.